Je vous ai convoqué car je récupère votre dossier et c'est bien qu'on fasse un point. Merci. Vous êtes inscrit à une de nos sessions de formation en ce moment ? Non, mais en fait, à la base, je suis réalisateur et à côté, je fais des missions d'intérim de temps en temps. Ah oui, serveur, livreur... Réalisateur, c'est inscrit nulle part, votre dossier n'a pas dû être mis à jour. Vous avez réalisé quoi dernièrement ? Un court-métrage, donc... Enfin, c'était autoproduit, il n'y avait pas de rémunération. Oui, je vois. Après, il commence à bien marcher en festival, hein. Il est même sélectionné ce week-end. Et vous comptez y aller ? Bah... C'est toujours bien d'y aller, non ? Se faire du réseau, rencontrer d'autres réalisateurs, remporter des prix. Et vous en avez remporté beaucoup, des prix ? Monsieur Becker, j'admire votre persévérance. Vraiment, mais... Vous pensez pas qu'il serait temps de passer à autre chose ? Vous avez quel âge ? 30 ans. Il serait peut-être temps d'arrêter de rêver et puis de revenir dans le monde réel, hein, de trouver un emploi stable. Une formation d'administrateur de base de données, c'est bien ça. Après, j'ai aussi écrit un scénario long qui m'a pris du temps là et j'attends justement les réponses aux boîtes de prod et je voulais aussi tourner un nouveau cours et j'étais en pleine préparation là. Alors, la formation commence début de semaine prochaine, elle va durer 3 mois. Bon, moi je vous y inscris puis on se revoit ensuite pour faire un point, d'accord ? Merci, monsieur Becker. Bonne journée. Fabienne, on s'est eu au téléphone. Oh, voilà. Je suis désolée pour le retard, hein. Mais on est en plein préparatif et j'avais des courses à faire. Il n'y a pas de souci. Ça a été le voyage, pas trop long, c'est 5 heures de train. Ouais, ça va, ça va. Ça. Voilà, mettez vos sacs et bienvenue. Bah, merci. Hein. Ils sont déjà arrivés, les autres réalisateurs. Ah non, vous êtes le seul cette année. Bonjour. Bonjour. Alors, Thomas, Serge, qui s'occupe de toute la logistique. Bon, enfin, j'essaie. T'es parfait. Si, t'es super. Christiane, elle, c'est notre cordon bleu, elle fait le repas. Et c'est tellement bon que les gens viennent que pour manger. Oh, elle dit toujours ça. C'est et alors, Chantal, elle a fait toute la sélection et s'occupe de la com. Enchantée. Maman ! Et ça, c'est ma fille qui m'appelle. Je suis désolée, 2 minutes. Je sens pas ce pour jour, moi. Ah, oh, mais oui, arrête de râler. Elle va y arriver, Fabienne. Ouais, ouais, ouais. Au fait, bravo pour votre film. Hein. J'ai beaucoup aimé. Bah, merci. Puis merci de l'avoir sélectionné, surtout. Oh, bah, c'est normal. Et bonne chance pour le prix. Bah, on verra. Enfin, sinon, faut payer qui, là ? Vous prenez la CB ou pas ici ? Enfin, c'était une blague, quoi. Ah ! Ouais. Mmh. C'est drôle. En tout cas, les absents ont toujours tort, si vous voyez ce que je veux dire. Merci Fabienne pour cet accueil. Serge, Christiane. Merci Fabienne pour cet accueil. Serge, Christiane, Chantal. Merci Fabienne pour cet accueil. Serge, Christiane, Chantal, c'était un chouette festival et je m'attendais vraiment pas à recevoir ce prix. C'était un chouette festival et je m'attendais vraiment pas à recevoir ce prix. Défais le fil d'abord. Déjà
décrocher l'écran, qu'est-ce que vous merde là. Il est séché, il va les aider. Attendez, j'arrive. On aura besoin d'aide pour le... Je vais vous aider. Pour l'écran. Je lève et je fais quoi? Il y a besoin d'aide pour l'écran. Oh mais attends, il faut qu'on enlève les nappes d'abord. Prends l'éponge. Le pain, mais il est foutu. Laisse le chip, prends l'éponge. Le penche. Mais par là. Oh, c'est pas possible, hein. Allez, allez, Christophe. Mais non, fais attention, tu vas la déchirer cette toile là. Allez, tire-le par là. Vers l'avant, pas vers l'arrière, enfin. Allez. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a entre tout foutu en l'air là. Avec tes bras. Mais ils comprennent rien, c'est parisien, c'est pas possible, hein. Mais attends, il y a trop d'eau là. Bon, je vais chercher des serviettes. Thomas, venez avec moi, je vais vous donner des vêtements de rechange. C'est quoi votre taille de chemise? 41, 42? Je suis désolée. Quand j'ai regardé la météo ce matin, c'était tout bleu. Bon, ben, je déclare le festival annulé, cas de force majeure, et je vais me coucher, je suis fatiguée. Non, Fabienne, non, s'il te plaît. Tu vas pas me laisser la paille là sur les bras, là. Pas rester manger, voilà, j'ai pas faim. Arrête, pour Michel, on va pas faire ça sans toi. On va nous laisser toute seule. Hein? C'est ton festival, je sais pas. On sèche, on se fait beau, je rappelle les copains. Hein? Pour Michel? Ben oui, je vais rester. Allez, je les appelle, hein. Vous vous faites belle, on se change. Un peu de piment d'Espelette. Oui. Mets un peu de piment, là j'arrête. Voilà. C'est fort. Oh là là, on va se sortir. Hein? Vous avez besoin d'aide? Oui, Thomas, vous pouvez emporter les verres sur la table? Ouais, pas de soucis. Hein. Moi, je m'occupe du vin. Ok. Ah, c'est vraiment pas de chance, hein, pour ce mauvais temps. Ouais. Vous savez que quand j'ai regardé votre film pour la sélection, ça m'a rappelé un vieux film de Jean Eustache. Non? La jeune génération a tendance à oublier ces films d'une autre époque qui pourraient pourtant encore beaucoup leur apprendre. Vous ne trouvez pas? Si, ouais. Bah, si jamais ça vous dit d'en voir un chez moi, en fin de soirée. Je sais pas trop si j'aurai le temps, en fait. J'ai la version longue de 4 heures de La Maman et la Putain. 4 heures, c'est un peu long, non? Oui, mais on sera peut-être pas obligé d'aller jusqu'au bout. Hein? D'accord? Bon, en fait, ouais. Enfin, fallait que je ramène les verres et puis. Oui, mais enfin, après, bon, hein? Ouais. D'accord. À tout à l'heure. On peut pas dire que vous nous avez amené le beau temps, hein, Thomas? Non, mais arrête, oui. C'est pas que de vous. Ouais, non. Je voudrais porter un toast. À Fabienne. Oh. Qui s'est battue pour que ce festival ne meure pas et qu'on puisse continuer à se rassembler comme Michel l'aurait souhaité. Voilà, oui, oui, vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Alors, je sais que les jours, voire même les semaines, n'ont pas été faciles. Et honnêtement, même si tout ne s'est pas passé comme prévu, tu as réussi. Oui, tu as réussi, Fabienne. Regarde, on est tous là réunis autour de cette table à partager un bon moment. Alors, merci et bravo. Et Michel serait fier de toi. À Fabienne. À Fabienne. Merci à tous. Un discours. Oh non. Ben, je sais pas quoi dire. Merci d'être là. Merci à toi, Serge, pour ce que tu viens de me dire. Ça me touche profondément. Et surtout, merci pour ton investissement dans le festival, parce que on aurait été nulle part sans toi. Et sans vous, j'aurais rien fait. Et c'est super que vous soyez restés jusqu'au bout de cette soirée bizarre. Et je vais... Un toast pour le prochain festival. Et à Michel. À Michel. Merci, ma poulette. Ouais, je suis contente que tu sois là. Bravo.
Chantal. Merci Sophie. On l'a fait quand même. Ouais. Michel, c'était le fondateur du festival. Ouais, ouais. Et il organisait ça de main de maître. Mais il nous a quittés, il a eu une attaque il y a quelques mois. Et franchement, on pensait que le festival mourrait avec lui. Mais bon, c'était mal connaître Fabienne. La journée s'est bien terminée. Ils se fréquentaient depuis quelques années. Vous vous rendez compte qu'une fois, il a failli faire venir Jacques Audiard pour le festival. Non. Si, si, il tournait un truc dans la région et Michel était allé voir au culot. Hein. Il avait promis de venir, hein. Et puis bon, c'est ce que c'est. Il a eu des retards sous son tournage. En même temps, on perd pas au change. Comment ça? Bah, on a Thomas. Ah, ça. Ah, bah oui. Ça, oui. Mmh. Ouais. Ah oui. Si. Et sinon, c'était votre premier court-métrage? Non, j'en ai déjà fait deux, en fait, avant. Ah. Et ça parle de quoi, là? Le dernier, par exemple? C'est un peu compliqué à résumer, en fait. Donc, ah bon. Et on peut le voir? Bah, je sais pas... Bah, vous l'avez pas, là, sur votre téléphone? Si. Bah, montrez-le, nous. Vous voulez le voir? Oui. Ouais, ouais, ouais. Venez, on va voir un film de Thomas. Oui, oui. Allez-y, moi, je l'ai plus. C'est joli ce plan-là. Oui. Pas trop déçu? De quoi? Bah de pas l'avoir. Non, ça va, non. Pourquoi? Bah il est un peu moche quand même, non? Là un peu moche. Bah ouais. Tu le dirais à la sculptrice, hein? Ouais, dis-lui, ça lui rendra service. Bah c'est fait. De quoi? Ah pardon, je suis désolé. Mais... Non mais j'y connais rien aussi, là. Tu connais rien, tu connais. Je suis désolé. Il est très beau, en fait. Il est très beau. Bah oui, c'est une mauvaise perspective. Ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Ils sont comment, ceux que t'as reçus? De quoi? Bah, les prix. J'ai jamais remporté de prix, en fait. T'avais préparé un discours? Ouais. Non, bah, garde-le pour une prochaine fois. Non, c'est trop tard. Il est temps que je fasse comme tout le monde, maintenant. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Oui. Bah, me contenter d'un job que je déteste, par exemple. Tu comprendras avec l'âge. Comprendre quoi? Que la vie d'artiste est dure et compliquée, et que certains vous trouveront jamais aucun talent? Ça, c'est bon, je crois que je le sais déjà, merci. Tu viens de me le prouver, d'ailleurs. Quoi, c'est ce que tu veux faire? Je sais pas. En vrai, ouais. Enfin, la sculpture, le dessin, la peinture, il y a plein de trucs qui m'intéressent, donc... Je sais pas. Là, je suis inscrite à une école d'art à la rentrée. Ah. Puis comme ça, dans 10 ans, tu t'inscriras à Pôle emploi. Bah, peut-être. Au moins, j'aurais essayé. Ouais, t'auras essayé, ouais. Puis dans 10 ans, tu te réveilleras dans ta minuscule chambre de bonne parisienne, à 30 piges. Et là, tu te rendras compte que t'auras fait que du sur place. Mais bon, c'est normal, t'es jeune, t'es insouciante. Non, je pense que... Je pense pas que ce soit de l'insouciance. Je me dis... Si t'es capable de faire tous ces sacrifices, tu vois. Mais c'est qu'au fond, t'as quelque chose de vital. Non?
deux seuls qui dansent pas, on devrait peut-être y aller. Grand con. Je suis la plus mauvaise danseuse de France. Ah ouais? Oh, une catastrophe. Ça, ça tombe super bien. Quoi? Bah, vous avez juste en face de vous le plus mauvais danseur de France. Ah, je suis sérieux? Ça ferait un beau couple. Ah? Non? Ouais, fatigué. Ok. Bravo, hein. C'était un chouette festival. Hein. Quoi? C'est de l'humour? Non, je suis sérieux. Oh, c'était mon lieu à cauchemar. C'était original. Ça, on peut dire. Okay. Vous allez pas me croire, mais ça m'est jamais arrivé, ça. Moi non plus. Oh mon Dieu. Moi, vous avez appris à plier un écran géant? Plus ou moins. Faut voir l'état de l'écran, là. Puis ça, j'arrêtais pas de me crier dessus, là. Je comprends rien à ce qu'il disait. Mais... C'était drôle, enfin. Ouais. Vous avez pas attrapé froid, moi? Non, ça va, merci. Et vous en avez d'autres de prévu? Deux. Le festival? Pas pour l'instant. Vraiment sûr, vous voulez pas danser? Merci, hein. Bah, je t'en prie. Ah, laissez Fabienne, c'est bon, je vais. Oh, c'est gentil. C'est la petite clé, vous prenez 4 bouteilles sous l'évier. Ça marche. Merci Fabienne pour cet accueil. Serge, Christiane, Chantal. C'était un chouette festival. Beaucoup d'entre vous m'ont parlé de Michel et ça avait l'air d'être un type bien. Je pense qu'il aurait adoré cette édition. J'étais le seul réalisateur présent et vous pouvez pas savoir à quel point j'en suis fier. Merci à tous. Et je voulais aussi te remercier, toi. Merci de pas avoir eu peur d'essayer. Merci de pas avoir lâché.
Et merci de pas lâcher dans le futur. Peu importe les difficultés, les remarques, les moqueries, l'incompréhension de tes proches, de ta famille, de la conseillère Pôle emploi qui te poussera encore et encore à vouloir abandonner. Je sais que c'est dur, mais tu tiendras bon. Tu arriveras. J'ai confiance en toi. Parce qu'on sait que c'est vital.